Donc, je vais vous faire visiter, hein. Alors. Voilà, l'armurerie, elle est là. Non mais oh. Ouais, pour ceux qui viennent juste de rejoindre, la scène se passe aux États-Unis. Hein. Ils ont pas de chance à avoir des flingues disponibles partout. Tolès, j'ai besoin de matos. Ah, c'est ballot ça. Bon, j'espère que tu as de la place, hein. Donc, alors, bon, la vie. J'en ai besoin qu'un. Bon, les clés, hein, on s'en fout, hein. Défense. Ouais, je crois que je vais la mettre dedans. Bon, l'autorisation. Prends ton temps, hein. Ah, M16. J'ai pas besoin d'autorisation. Voilà. Donc. Donc, en gros, dans Parasite Eve, il y a un système de customisation des flingues, hein, et des armures aussi, qui est assez spécial, mais que j'adore. Enfin, je sais pas pourquoi ils l'ont pas repris dans le 2, parce que je le trouve vraiment bien. C'est en fait, avec des outils normaux, vous pouvez prendre des capacités ou des statistiques d'une arme et les mettre sur une autre arme ou armure. Voilà. Bon, on dit comme ça a l'air compliqué, mais vous allez voir par la suite. Je vous montrerai. Alors, c'est une poubelle ambulante, hein. Mais enfin, merci. Donc, on va prendre le M16. Vous avez vu la différence, hein, de dégâts. Mais bon. C'est un choix contestable. Il y a des gens qui préféreront garder le gun, il y en a qui vont préférer garder enfin prendre le M16 quoi. Vous allez voir après pourquoi peut-être je n'aurais pas dû prendre le M16, mais bon, ça c'est défaut et c'est qualité. Les médicaments. Bon, là, des coffres dans un commissariat, ça peut encore aller, hein. C'est niveau logique, c'est. Ça va, quoi.
C'est pas comme si on était des un opéra, hein. Ah merde, la partie 1. Donc ici c'est là où il y a les chiens. Je vous ai dit que je faisais la visite. Donc voilà. Voilà. Berger allemand. Ensuite, cette porte n'est pas ouvrable, n'est pas disponible actuellement. Disponible pour une porte. Enfin. Ensuite, là il y a les vestiaires. Comme mon perso est féminin, elle a deux casiers. Donc là, on va augmenter l'attaque de mon M16. Vous avez plein de questions, hein. Vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert, etc., etc. Vous inquiétez pas, je vous montrerai après. Hein. Bon, qu'est-ce que t'as à me dire? Ouais. Enfin, d'un côté, elle avait un gilet pare-balles sous sa robe. Bon, je sais pas comment elle a fait, mais bon. Efficace, hein. J'ai vu du feu. Très bien. N'empêche, il laisse son gamin sortir comme ça du commissariat. Il a confiance, hein. Bon, on continue la visite. Donc ici, c'est la salle de réunion, conférence. Ça dépend. Tadam! Et pour clôturer la visite, oh, je vais pas spoiler, hein. C'est un endroit où j'ai pas l'autorisation. Merci de me le faire rappeler. Je sais pas quel grade il faut avoir pour rentrer là-dedans. Enfin. N'empêche, je sais pas pour vous, mais Baker, en le voyant, son skin et par rapport à son nom, il ressemble un petit peu vite fait au Baker de Metal Gear Solid.
avec la canne et tout. Vite fait, hein, j'ai dit, hein. Heureusement que j'ai mon M16. Hein. Ah. Et la réponse est... Mais bien sûr. En gros, il dit que c'est que tous les autres qui sont venus avant, c'est des incapables, quoi.